Cette vidéo est en partenariat avec idustreet.com, vêtements et accessoires coréens K-pop. Bien le bonjour les amis. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je tenais sincèrement à remercier tous les membres du Tobo Gang de votre soutien envers mon dernier épisode, le WhatsApp Korea numéro 19, qui traitait de l'affaire Seungri. J'ai eu énormément de bons retours sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Ça fait vraiment vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup, je sais pas vraiment quoi vous dire. Surtout que j'appréhendais vachement cet épisode. Pour plein de raisons, parce que j'ai fait plein d'erreurs techniques dedans, audio, vidéo, même de langage, je me suis trompé sur plein de trucs. Par contre, les faits, ce que j'ai dit, c'est vrai, hein, c'est juste des erreurs de langage, je veux dire, des erreurs de temps, quelques petits mots qui n'étaient pas très clairs. Aussi du fait de sa longueur, parce que bah, c'est un épisode d'une heure, un peu plus d'une heure, c'est difficile de tenir en haleine, tu vois, les gens, de les garder avec toi pendant une heure, c'est pas évident. Aussi du fait que j'avais pas sorti de vidéo depuis pas mal de temps, du moins les WhatsApp Korea, donc voilà, je me disais, est-ce que le retour allait être cool? Et surtout, à cause du sujet, voilà, très très bouillant, l'affaire Seungri, même si c'est devenu, même si aujourd'hui c'est plus tellement l'affaire Seungri, tu vois, c'est plus le côté Jang Joo-yeon, toutes les personnalités qui sont autour de cette affaire-là. Donc Seungri, c'est plus tellement d'actualité. Mais bon, au moins, ça pourra répondre aux détracteurs qui disent que je suis là que pour le buzz, sachant que Seungri, aujourd'hui, si tu voulais faire vraiment une vidéo sur Seungri, vraiment sur Seungri pour buzzer, il fallait la faire le mois dernier, quoi. Et chose que je n'ai pas fait. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, hein, j'ai eu quelques petits détracteurs, évidemment, dans le sens où ma vidéo a tourné dans des communautés qu'on pourrait appeler pro-Seungri. Alors, qu'est-ce que c'est une communauté pro-Seungri? Il suffit d'aller sur l'Instagram de Seungri et d'aller voir sa dernière photo, son communiqué de presse, lire les commentaires et puis vous allez voir un petit peu ce que c'est, tous les messages de soutien qu'il peut avoir malgré l'évidence. Par contre, prévoyez un petit sac en papier à côté histoire de dégoubiller parce que c'est... Sérieusement, il y a certains commentaires qui sont assez... T'as envie de sortir de l'écran et de lui mettre une gifle. Bon bref, Après, j'ai essayé... Au début du moins, de dialoguer un peu avec ces personnes qui étaient en contradiction avec les faits, avec les médias coréens. Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai rien inventé. Hein. La vidéo d'une heure, c'est simplement un travail où je regroupe des informations, d'accord? J'ai rien inventé, je vous ai pas sorti d'exclusivité ou quoi que ce soit. J'ai juste vraiment détaillé en gros l'affaire. Voilà, c'est des news qui sont sorties, donc ça a rien de m'écrire en commentaire. Ouais, à part avoir regroupé les informations, t'as fait quoi? Bah déjà ça, tu vois, c'est déjà un gros travail. Je vais pas t'inventer la news, tu vois. Je suis pas reporter, je suis pas journaliste, j'aurais pas la prétention de faire ça, tu vois. Mais en fait, la communauté pro-Seungri me reproche, si tu veux, justement, de suivre les médias coréens. Voilà, en gros, de suivre les faits. Parce que, comme je l'ai expliqué, si ça sort dans les médias coréens, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien. J'ai déjà expliqué, en fait, dans cette vidéo, comme quoi une information qui sort chez SBS ou Yonhap, ou voilà. Bah, c'est quelque chose de vérifié, clairement, c'est pas quelque chose qui peut sortir comme ça. Et j'avais eu des commentaires du genre « Ah ouais, donc pour toi, forcément, une news qui sort sur un média coréen, elle est pas à revérifier, etc. » Non, elle est pas à revérifier, non. Non, bah non, parce que clairement, c'est pas la France ici, tu vois. Si tu sors vraiment un truc diffamatoire, tu peux avoir des sérieux problèmes, beaucoup plus qu'en France. Voilà, faut te mettre ça en tête, tu vois, et tu verras que tout sera un peu plus limpide après. Moi, je vois très très mal SBS sortir une grosse news, un gros dossier sur quelqu'un, sans une enquête au préalable derrière, c'est des mois de travail tout ça. Tu crois vraiment qu'SBS, ils se sont dit en mode petit youtubeur, oh là là, Seungri, il est en train de buzzer en ce moment, et si on faisait un article sur lui qui nique bien sa mère? Non, non, c'est des mois, c'est des enquêtes, c'est des mois de travail tout ça, qu'est-ce que vous pensez sérieusement? Puis moi, quand je demande vos sources, à la communauté pro-Seungri, bah, vous savez pas me répondre. Vous savez toujours me répondre des comptes Twitter, des médias un peu douteux. I love Seungri ou pas, skyblog.com, un truc comme ça, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Moi, je te sors des trucs très officiels, quoi. Et puis, s'il vous plaît, m'inventez pas des trucs, hein. Parce que j'avais aussi vu des commentaires. Soi-disant, ces personnes-là avaient vu ma vidéo d'une heure. Et j'en avais une, elle m'a écrit un très très long paragraphe avec point par point là où soi-disant je mentais, mais je disais pas ça en fait dans la vidéo. C'est ça le truc, je disais pas ça. Donc je me dis, mais pourquoi tu l'as vraiment vu ma vidéo ou c'est comment? Je détaille point par point ce qui s'est passé, tu vois, les faits. Et quand c'est vraiment pas avéré, bah, j'utilise le conditionnel, tu vois. Et comme à la fin de la vidéo où j'ai bien expliqué que c'était des théories et des rumeurs, voilà. Donc avant de t'enflammer parce que je touche à ton ou pas, bah, calme-toi à 30 secondes, d'accord? Respire, voilà, prends un petit chocolat, et puis on peut discuter, hein. Moi je suis très ouvert à la discussion. Mais si tu commences la discussion tout de suite, alors ouais, cet enculé de Togen, ça va pas le faire, tu vois, ça va pas le faire. Je vais être hautain avec toi,
je vais te prendre de haut, je vais t'enculer. Non, c'est juste que si tu veux vraiment dialoguer avec moi, il y a pas de problème, mais si tu commences à partir dans les insultes et tout, bah je suis un gamin, tu vois, je vais clairement me foutre de ta gueule. Donc c'est peut-être un petit défaut que j'ai à changer chez moi. Bref, maintenant que cela est dit, commençons ce 20e épisode de What's Up Korea, où aujourd'hui nous allons traiter d'une affaire assez récente, hein. Une affaire qui traite de corruption policière, de drogue, mais aussi on va parler un petit peu du Burning Sun, et une nouvelle personne dont je n'ai jamais traité dans aucun What's Up Korea, ça va être sa grande première, mes félicitations, qui se trouve être justement reliée à cette affaire, ou du moins c'est ce qu'on croit. Connaissez-vous la personne de Hwang Hana? Alors c'est pas une K-pop star, une actrice, quoi que ce soit, hein, c'est vraiment une random quoi, mais c'est quelqu'un qui pèse quoi, elle a beaucoup de thunes. Tout d'abord, elle a principalement été mise en lumière en étant l'ex-fiancée du chanteur Yoo Chun. Mais si, souvenez-vous, Yoo Chun, c'était l'ancien membre des TVXQ, mais aussi des JYG, parce que TVXQ s'était séparé, ils étaient 5 à la base, puis voilà, il y a eu des soucis avec leur agence SM Entertainment, ils ont recréé un autre groupe qui s'appelait JYJ avec une autre agence, bref, un gros merdier le truc. Et je dis bien ex-fiancé, car ils devaient se marier en 2017, mais le fait est qu'ils ont rompu en avril 2018. Oups. Même que Yoo Chun, il s'était fait tatouer carrément le visage de son ex sur son corps. Erreur de débutant. Mais elle est surtout la petite fille du fondateur d'une très grande société agroalimentaire du nom de Namyang Dairy Products. C'est l'un des plus grands fabricants de produits laitiers du pays. C'est une société qui a vraiment des grosses couilles, tu vois. Non, parce que je vous dis ça parce que généralement, quand on parle de grosses sociétés coréennes, tu vois, on me cite tout le temps les mêmes exemples, c'est-à-dire Samsung, LG, etc. Tu vois. Mais moi, franchement, quand je vois par exemple des sociétés qui font du soju, qui font du lait, comme Namyang par exemple, crois-moi, c'est une très très grosse société quoi. Faudrait un de ces quatre que je fasse vraiment, genre une espèce de vidéo où je vous parle de l'industrie du soju en Corée. Franchement, c'est l'une des plus grosses industries de ce pays quoi. Il y a tout le monde qui boit du putain de soju ici. C'est l'alcool number one, tu vois. Et c'est pas cher en plus. Je me demande bien combien de bouteilles à la journée est consommée de soju. Ça devrait être à mon avis un chiffre astronomique. Mais alors pourquoi cette Hwang Hana est dans tous les médias coréens aujourd'hui? Elle est suspectée d'avoir consommé plusieurs types de stupéfiants. Oh la vilaine. C'est en date du 5 avril dernier que la police de Gyeonggi a ouvert une enquête après avoir reçu des informations comme quoi elle aurait obtenu et utilisé du clonazépam. Alors le clonazépam, c'est un médicament qui va t'aider pour ton anxiété, qui va traiter tes convulsions, les troubles de panique, tout ça. Rien de mal en soi d'utiliser du clonazépam, juste qu'il faut une ordonnance de ton médecin, sinon c'est illégal. Elle a été arrêtée pour avoir également distribué et injecté de la méthamphétamine à l'une de ses amies qu'on va appeler Cho, en septembre 2015. Oui, elle est comme ça, Anna, elle partage. Est-ce que tu partagerais, toi? Je ne pense pas. Seulement voilà, Cho a été mise en probation pour s'être droguée, et Hwang Hana n'a eu aucun souci avec la justice. Aucune enquête de la part de la police coréenne. Surprenant. Lors de son procès, Cho a déclaré que Hwang Hana avait injecté 0,16 g de méthamphétamine dans ses bras. Et ça, 3 fois au total. Cette quantité, c'est genre pour 3-4 personnes. Hein. Cette quantité-là pour une seule personne, comme dirait Exo, tu fais une overdose. Hein. Elle aurait révélé qu'il y aurait eu une autre personne dans cette histoire, qu'on va appeler Kim. Hein. De toute façon, quand on veut prendre une personne un peu lambda coréenne, on l'appelle Kim. Une connaissance de Kim, donc, a affirmé que Hwang Hana avait soudoyé Cho pour qu'elle mette la responsabilité sur le petit groupe afin de se dédouaner contre une belle petite somme d'argent. C'est le 6 avril dernier que SBS 8 O'Clock News, le journal préféré des pro-soumis, a annoncé que Hwang Hana avait admis avoir consommé de la méthamphétamine en 2015 et qu'elle continuait de se droguer à nouveau en 2018 à la suggestion d'un ami célèbre. Non mais là non. Hein. Attends, l'ami célèbre, si tu me dis encore que c'est Sungni, frère, je peux plus rien pour toi là. T'as vu la gueule de ton dossier? J'ai plus de papier, frère. Son avocat, souhaitant vraiment la défendre contre toutes ces charges, a également précisé que elle avait aussi consommé de la drogue à Busan en 2015. Le meilleur avocat du monde. Enfonce-la un peu encore, non? T'as vu des enfants, non? T'as pas violé d'enfants dernièrement? Le 8 avril, la police annonce l'intention d'enquêter sur cette fameuse célébrité accusée d'avoir fait pression sur Hwang Hana pour s'être droguée. Oui, le fameux à la suggestion d'un ami célèbre. Son distributeur serait donc une célébrité. Et là, tu peux être sûr que non seulement la police enquête sur ça,
Mais que tous les netizens, ils sont à fond, quoi. Ils ont, putain, on veut trouver, on veut savoir qui c'est, hein. Y a des liens à faire. Et bien évidemment, avec les récentes affaires de drogue qu'il y a eu au Burning Sun, qui appartient au fameux, la crème de la crème, Sungri. Alors on dit Sungri, hein. On dit pas Sungri, je sais pas comment tu le dis, hein. Une sangria, ça a rien à voir. Parce que je dis ça, parce que dans mon commentaire qui m'a dit, plein de commentaires en vrai, oh là là, comment tu dis Sungri et tout, on dirait que tu dis Sungri ou... Non mais c'est comme ça que ça se dit en vrai, c'est toi qui es dans l'erreur. Tu oses me reprendre ? Insolent, va. Bref, l'opinion publique cherchait à rejoindre les deux affaires. Et savez-vous pourquoi ils font le lien entre ces deux affaires? Parce que la fameuse Cho, l'amie de Huang Hana, bah crois-le ou crois-le pas, bah c'était une ex-employée du Burning Sun. Ah, mais après, tu m'étonnes que les pro-Sungri nous traitent de conspirationnistes. Mais il y a tout qui se regroupe trop, tu vois, trop parfaitement. Tu vois, vous êtes chiant à un moment donné, tu vois. Dissimulez mieux les trucs, parce que là... Quand on découvre la vérité, on découvre tout, tu vois, en même temps. Et forcément, ça fait conspirationniste après, tu vois ce que je veux dire? Cho a annoncé à la chaîne JTBC qu'elle se droguait avec Huang Hana. Alors, est-ce que c'était dans le club, au Burning Sun, ou ailleurs, quand ça? La célébrité qui a distribué de la drogue à Huang Hana, qu'on va appeler Hana si ça ne dérange pas, parce que répéter à chaque fois Huang Hana, ça... Son distributeur, dont on ne savait pas encore d'identité à l'époque, mais qui était clairement dans le collimateur de la justice, n'a pas souhaité faire de déclaration ou même être interrogé par la police. Cependant, on apprend que la police aurait suffisamment de preuves et de dépositions de témoins pour accuser Hana et son ou sa copine célébrité pour consommation de drogue. Puis on apprend l'identité de la fameuse célébrité. Il s'agirait de Yu-Chun, son ex-petit copain, membre des JYJ. Yu-Chun a eu pas mal de problèmes dans le passé, notamment à cause d'affaires de prostitution, mais lui et son agence ont clairement nié les faits. D'ailleurs, Yu-Chun a fait un communiqué de presse que je m'en vais vous lire maintenant. Bonjour, c'est Park Yu-Chun. Avant de venir ici, j'avais beaucoup de pensées et d'inquiétudes. Ce fut une période difficile. Cependant, après avoir pris mon courage à deux mains, j'ai décidé de le faire parce que je pensais qu'il était juste que je parle de toute cette affaire honnêtement. Je suivais un long traitement et bien qu'ayant été innocenté légalement, j'ai passé un moment pénible en étant la honte de la société, en me sentant coupable. D'ailleurs, les Coréens se foutent un peu de sa gueule aujourd'hui et l'appellent, même lui trouvent un petit surnom, Pyonggi Yu-Chun. Pyonggi étant le bidet des toilettes, parce qu'il avait été accusé en fait d'avoir couché, même violé des prostituées dans des chiottes. Mais il a été innocenté, voilà, c'est de ça dont il parle. Voilà, tu vois, ce genre d'infos que je te donne là, genre Pyonggi Yu-Chun, ça, c'est des trucs que tu peux pas connaître dans les sites d'actualité, tu vois. C'est qu'en regardant ma chaîne, hein, parce que moi je suis au contact et tout, je tends là le terrain, tu vois. Je réfléchissais à l'idée de vouloir mourir. Quand des moments où je ne pouvais pas me pardonner, je ne pouvais pas dormir et je ne buvais pas d'alcool. J'ai reçu un traitement pour la dépression dans une clinique et j'arrivais à m'endormir à peine avec des somnifères prescrits. Je n'ai jamais consommé de drogue et j'avais tellement peur d'être assimilé à la célébrité qui avait suggéré à Huang Hana de consommer de la drogue lorsque j'ai vu les rapports et les détails de l'enquête. J'étais terrifié à l'idée de devenir une personne qui consomme de la drogue, même si je n'en ai jamais consommé. J'avais peur que malgré tous mes efforts pour le nier, je ne pouvais m'empêcher d'être catalogué comme étant ce genre de personne. Cependant, même si je faisais l'objet d'une enquête, je pensais que je devrais le dire en personne, car je n'avais jamais consommé de drogue. Tout d'abord, j'ai rompu avec Huang Hana au début de l'année dernière. Après la rupture, Huang Hana m'a harcelé avec des menaces. Pourtant, c'était quelqu'un qui m'aimait bien et qui restait à mes côtés en 2017 alors que je traversais une période difficile et que je pensais que le monde entier m'avait tourné le dos. Alors, je m'en suis senti assez désolé. C'est pourquoi je voulais m'excuser, la réconforter et l'écouter quand elle me contactait soudainement ou venait chez moi pour se plaindre, même après notre rupture. À ce moment-là, j'étais affligé et je me suis endormi en prenant des somnifères. Je sais que Huang Hana prenait également des somnifères en raison de la dépression. Mais je n'ai aucun lien avec ces pilules. Elle n'a jamais parlé de ses antécédents de consommation de drogue ou de drogue illégale devant moi. Après notre rupture, elle m'a constamment dit que sa dépression s'aggravait et qu'elle m'en voulait. J'ai aussi découvert les nouvelles par le biais de reportages et je me suis senti très surpris et triste. Cependant, je n'ai jamais consommé de drogue et je ne lui ai jamais suggéré. Je me critique tous les jours alors que je souffre et que je travaille dur pour pouvoir jouer et avoir de nouveau des activités. Jamais au grand jamais, je n'aurais pu penser à me droguer, ce qui aurait complètement détruit tout mon travail. Je vais consciencieusement me rendre au poste de police et aider à l'enquête. Je suis venu ici avec un cœur désespéré, parce que si je suis reconnu coupable des soupçons, ce serait vraiment injuste pour le restant de ma vie
et pas seulement parce que je devrais arrêter les activités en tant que célébrité et prendre ma retraite. Je vous remercie sincèrement d'être venu ici et de m'avoir écouté. Du fait de toutes ces révélations, la société du grand-père de Anna, Namyang Dairy Products, s'est aussi exprimée en faisant un communiqué de presse soutenant la petite fille du fondateur. Non, c'est pas vrai, c'est tout l'inverse, ils l'ont enfoncé encore plus. Elle déclare « Huang Hana n'a aucun lien avec la direction de Namyang Dairy Products et aucun membre de sa famille n'a de travail lié à nos activités ou à notre stock. La société n'a pas non plus de relation avec les allégations actuelles selon lesquelles un traitement favorable a été accordé à Huang Hana en tant que membre de la famille du fondateur de notre société. Des médias ont rapporté que Namyang Dairy Products était impliqué car Huang Hana est la petite fille du fondateur de la société. Nos employés, distributeurs, producteurs, laitiers et leurs agriculteurs subissent des dommages de ces spéculations. Car oui, NBC News Desk a révélé le 2 avril dernier qu'elle aurait pu recevoir un traitement de faveur de la part de la police, malgré le fait qu'il était évident qu'elle se droguait. Tout ça parce qu'elle est la petite fille d'un fondateur d'un grand groupe. Cette émission a montré des images de Anna, datant de 2015, et vu ce qu'elle racontait et la manière dont elle agissait, il était présumé qu'elle se trouvait probablement sous drogue. Une de ses connaissances a affirmé avoir vu Anna prendre à plusieurs reprises des drogues en seringue, dans des hôtels et chez des amis. La police aurait alors ouvert une enquête sur son cas. Cependant, l'accusation aurait été rejetée ainsi que toutes les demandes de perquisition, de saisie et d'analyse ADN pour déterminer si oui ou non, il y avait bien eu consommation de drogue. Elle a aussi de son côté refusé toute demande d'interrogatoire venant de la police, ajoutant encore plus de spéculation d'un traitement favorable du fait d'être la petite fille d'un fondateur de grand groupe, qu'on appelle ici un chebol. Car je rappelle un truc quand même, elle a été prise en train de fumer de la marijuana en 2011, distribuer de la drogue en 2015, et malgré tout ça, elle a rien eu. Rien eu du tout. Chelou quand même, non? Au final, on apprend que ses relations avec des officiers de police de haut grade ont joué en sa faveur. Elle aurait déclaré « Le procureur en chef, mon père connaît tout le monde dans la police, y compris les hauts gradés. Vous plaisantez ou quoi? Ils sont des meilleurs amis. Pensez-vous que cette affaire se termine là? Pensez-vous que je vais vous laisser comme ça, hein, sans aucun rebondissement Non, je sais très bien que vous avez sorti les pop-corns, donc installez-vous. » On apprend maintenant que Anna aurait été accusée de partage de vidéos sexuelles illégales. Oui, comme Seungri et ses copains. Mais ils ont quoi les Coréens avec ça, sans déconner? C'est un internaute coréen qui a recueilli des données sur Anna qui est le déclencheur de ces nouvelles accusations. On peut y voir des captures d'écran de messages KakaoTalk échangés entre Anna et ses copains. Selon cette investigation, Anna aurait téléchargé des vidéos de cul de gens mais qu'elle ne connaissait absolument pas dans leur propre chatroom. C'est le genre de vidéo où tu peux voir une meuf complètement bourrée à poil en train de danser quoi. Cet internaute a déclaré à CBS « Anna a menacé beaucoup de personnes avec ses vidéos. Je ne sais même pas comment elle a pu les obtenir. J'ai compté 4 victimes pour le moment. » Petit aparté, moi je suis très curieux de savoir comment elle a pu obtenir ses vidéos. Parce que ça veut vraiment dire que je pense qu'il y a une espèce de petit sous-réseau, tu vois, qui se partage entre eux ces vidéos, machin. Moi, je te dis qu'il y a une relation entre tout ça, tu vois. Il y a une espèce de dark web coréen du cul, tu vois, où tout le monde, les petites célébrités, machin, s'échangent des trucs. Moi, je dis ça, hein, je pense, hein, parce que ça fait beaucoup, là, entre Seungri, ses copains, maintenant, elle. Oh, d'ailleurs, l'entourage de Anna n'est apparemment pas très surpris par tout ça, déclarant qu'elle est même assez célèbre pour faire ce genre de pratique. Anna a été arrêtée car elle ne s'est pas présentée pour une assignation à comparaître lors de l'ouverture d'une nouvelle enquête sur ses pratiques de drogue. Si elle est condamnée, elle risque au minimum 5 ans de prison avec une amende de plus de 20 000 euros, ne serait-ce que pour les vidéos illégales. Quant à la consommation de drogue et sa distribution, elle risque de prendre bien plus cher. Enfin ça si elle est condamnée réellement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas droit à des trucs et tout, vous avez compris quoi. Moi la question que je vous pose maintenant, c'est si l'affaire du Burning Sun n'avait pas explosé, pensez-vous que cette Anna aurait été arrêtée? Pensez-vous que l'opinion publique, étant trop forte aujourd'hui sur ses affaires, il était impossible pour elle d'utiliser ses passe-droits pour s'en sortir? Et pensez-vous du coup que Seungri et ses copains pourraient subir le même sort, à savoir aucune indulgence du fait de leur relation? Vous avez 4 heures. Bon, on retourne sur un format un peu plus court des épisodes maintenant, hein. J'étais très content de faire un épisode d'une heure la dernière fois, mais je vais pas en faire tout le temps, ça demande beaucoup de travail les amis. Et malgré toutes les erreurs techniques que j'ai pu faire quand même dans cet épisode numéro 19, je suis assez content et assez fier de l'avoir sorti, voilà, et je suis content aussi de voir les retours. Donc merci beaucoup. Et quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, le 20e épisode de What's Up Korea, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir énormément de vidéos concernant l'entertainment et les news coréennes un peu de ce genre-là. Et aussi à laisser votre petit pouce bleu des familles qui remplit mon cœur de plein de petits papillons. Token fragile. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de What's Up Korea.